a voté fin décembre à l'occasion du budget 2017, voté et présenté le plan santé. Ce plan d'action à la santé est un plan d'accès partout et pour tous. Nous nous sommes basés sur la notion d'aménagement du territoire et répondre à une préoccupation majeure des élus locaux, des élus ligériens, qui est celui de l'accès aux soins pour leur population. Nous avons souhaité pouvoir mieux accompagner les élus, à la fois dans l'anticipation des besoins sur les territoires les plus fragiles et aussi répondre par des mesures pratiques aux besoins et au manque de médecins. Sur la région, on considère que Mayenne et Sarthe sont plus fragiles. La Vendée l'est un peu aussi, mais pour d'autres raisons, parce qu'il y a un afflux, entre le terme est un peu fort, mais une population vieillissante importante, notamment sur le littoral, avec des besoins accrus. Le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique un peu moins, parce que sans doute parce qu'il y a une faculté de médecine et de fait plus d'installations. Mais il reste néanmoins des territoires où il y a un manque de médecins, parce que les médecins en place ne sont pas remplacés. Donc il y a aussi des territoires fragiles.